Yo tout le monde c'est, alors tout d'abord il faudrait que je change mon intro parce qu'on va pas se mentir, yo tout le monde c'est, ça fait un peu kikou. Mais bref, du coup aujourd'hui on va parler un peu du pompe, le BY15. Et là j'ai trouvé une classe qui le rend OP, hein, clairement, il n'y a pas d'autre mot je trouve. Alors je vais directement vous montrer la classe. Donc évidemment j'ai équipé le BY15. Alors j'ai préféré je préfère le BY15 à la place du double pompe. Bon, je vais l'appeler double pompe, hein, même si ça s'appelle H-S0405. Enfin, c'est trop long, ça, on est d'accord. Bref, j'ai pris le BY15 à la place du double pompe, tout simplement parce que, avec le BY15, vous êtes beaucoup plus agile. Vous allez pouvoir, si vous ratez une première balle, vous allez avoir moins de temps pour recharger la deuxième balle. Et enfin, tirer à la deuxième balle, du coup. Alors que le BY15, ça prend des heures pour tirer à la deuxième balle. Donc, si vous ratez la première, vous êtes mort, quoi. Et je sais même pas si ça fait plus de one shot que le BY15. Parce que vous allez voir, BY15, néanmoins que c'est des fois inconsistant, ça fait beaucoup de one shot quand même. Bref, sur les attachements, du coup, j'ai mis laser pour être plus précis, long barrel pour avoir un peu plus de range, donc faire un peu plus de dégâts de loin, et phase mag à la place de Extended, parce que comme vous rechargez des balles par balle, il faut que vous rechargez vite, parce que sinon ça prend des heures, c'est casse-couille. Alors, en spécialiste, j'ai mis Gravity Spikes, parce que vous allez rush tout le temps corps à corps, et Gravity Spike, c'est un bon moyen de... Voilà, si vous avez raté la première balle et que le mec il va vous tuer sans avant que vous puissiez tirer la deuxième balle, ben ça va être un bon moyen de sauver votre vie. Et puis Gravity Spike, de toute façon, moi c'est mon spécialiste préféré, je trouve qu'il est pas cancer, etc. Mais ça, je ferai une autre vidéo sur ça. Après, en perk, j'ai mis Lightweight évidemment pour être plus rapide. Et j'ai mis Ghost ainsi que Silence de mort. Ghost, comme ça on se voit pas pour les UAV. Et d'ailleurs, j'ai mis les RPG en deuxième classe. Pas forcément pour niquer les UAV, comme ça on vous voit pas sur la carte parce que vous avez déjà Ghost, du coup déjà on vous verra pas. Mais c'est surtout pour avoir des points en plus. Donc à chaque fois que vous niquez une counter UAV ou une UAV, vous allez avoir son point en plus. Donc voilà, ça fait un kill ou deux en plus gratuitement comme ça. Bref, sur ce, je vous laisse avec le gameplay et je vous dis à la prochaine. Bon, on est sur Raid, c'est pas la meilleure map pour le pont, mais on va voir ce que je peux faire. Je crois que je vais direct aller pull à droite. Et peut-être niquer les mecs kitchen après. J'espère qu'il y a personne. Je vais direct aller kitchen en fait. Non, Enemy in sight. Putain, j'ai raté mon premier balai. Hop, tu dégages. Le mec juste là. Putain, il était nul lui. Hein. Le mec arrive juste à côté de gauche. Oula! Je vais aller dans leur bac là parce que c'est un peu la merde. Il y a encore un mec rampe. Allop. Voilà, c'est chaud. Putain, il faut que j'arrête de rater mes balles. Toi t'es mort. J'ai bientôt pu avoir de balles par contre. Bon, allez, fais ça. Ça. Y'a un mec qui est juste là. Sniper! Il faut vraiment que je cadre mes balles parce que je peux pas en rater là. What the fuck, il était où? Oh putain! Je savais que j'avais vu quelqu'un en plus, c'est ça qui casse-couille.
Bon, elle est lui avait. Il y en a pas, elle est invisible, super. Oh, dommage, hein. Voilà, quelqu'un, mais bon. Qu'est-ce que tu veux? Toi, tu dégages là. Voilà. Toi, tu dégages, toi. Il y a deux mecs là. Lui qui va aller window, je vais dans le bank. Wouah putain, je sais même pas comment je l'ai eu. Wouah, ya ya ya. Il y a encore un mec en haut là, les escaliers. J'ai une quête pour la torche, c'est moi. C'est frérot. Ah bah j'ai pas d'un. Ah bah j'ai pas d'un, tu tues quelqu'un. C'est dégueulasse. Allez hop, vous êtes mort. Enemy contact. J'ai vu le mec, j'ai vu le rush. Attends, peut-être pas, lui il va pas me rush. Wouah putain, j'ai freeze un peu là. Oh putain, c'est bon. Bah, nice, ça va. Bonne première partie, hein. Petit fail de nuke, mais bon. Ah, bah, au moins, tu vois, je tombe sur une map qui est faite pour le pompe. Hein. Clairement, Crossfire, c'est bien fait pour le pompe, on va pas se mentir. Longue portée, oui, bien sûr, clairement. Putain. Ça, c'est typique. Dès que je vais faire une vidéo, en vrai, les mecs me cassent les couilles. Ils vont me donner soit une SND, comme ça je peux pas faire de kill. Enemy taking B. Soit une map de merde comme celle-ci. Toi tu dégages avec ton snipe de merde. Enemy taking Bravo. Oula. Ah ouais, putain, j'ai foiré là. Des fois j'essaie de tirer, j'ai l'impression que ça tire pas. Enemy taking B. Lost the lead. Ça va décamper. C'est une merde que tu es. Putain, j'arrive pas à one shot là. Wouah, je sais même pas quoi je vais tuer. J'ai trop one shot, je vais me casser parce que ça va être un peu l'horreur. Comment est-ce que je l'ai tué? Putain, il est trop bien. Par contre, des fois, ouais, comme je vous ai dit, c'est un peu inconsistant. Donc, des fois, vous allez pouvoir faire des one shot de genre à 10 mètres. Comme vous pouvez faire des 3 shots même, le mec il est encore à corps quoi en fait. Putain, c'est nimble, c'est 36, ouais. Ah ouais, le mec il m'attendait en haut en plus. J'ai une équipe de gigolo, hein, par contre. Direct aller le rush. Oh putain, ils ont une UAV ou quoi les mecs là qui s'est vu chier. Oh. Changing mag. We're being dominated. Take those positions. We lost C. We're capturing. Toujours le mec qui est 36 là-bas, il me casse les couilles. Pick it up, team. Tu quoi, je vais niquer. Hein. Captured A. Mort. Changing mag. Je casse pas les couilles. UAV online. Je vais faire genre, je mets la pression un peu sur B. Hop là, le trophée qui sauve la vie. Je vais direct le casser, je vais aller back. Il y a des mecs là, lui, ils arrivent. C'est bon, il est mort, nice teammate. Oh putain, je l'avais plus vu, what the fuck. J'ai un peu de mal sur cette putain de map. C'est pas du tout fait pour les pompes, mais bon. Oh là, je fais. Oh putain. Le temps m'a sauvé la vie. Le mec qui va arriver là. Oui, il est dans la poubelle.
bon, tu as un petit, hop, tu dégages. Non mais c'est bon. Oh t'as du cul, je t'ai mis un marqueur mon gars. C'est ça qui est casse-couille des fois avec les pompes, c'est des fois que tu vas mettre une marqueur, tu vas pas comprendre pourquoi en fait. Et ça c'est. Ça c'est plus que casse. Genre là, là effectivement, genre tu mets deux in marqueurs. Alors c'est juste à côté, enfin genre je comprends pas. Ah, j'ai tous les rushs hein, parce que là il commence à vraiment casser. Bah je peux, je one shot pas aussi, t'es prêt là, c'est nimp. Enemies XS1 Goliath is coming. We captured B. Faudrait que je trouve un moment pour recharger en fait. Oh là là, c'était bizarre ça. J'ai pas pu tirer. We're capturing C. Bon, je vais essayer de rompre le point, pas qu'à faire. We're capturing B. We lost Alpha. Captured Bravo. Ouais, bah je peux rien faire, hein. Les mecs, s'ils piquent là-bas. Losing B. We're capturing une équipe de merde, par contre. Predator missile inbound. Putain, il est toujours trop fait, ça casse les couilles ça. Lost Bravo. Frag out! Enemy UAV spotted.